Bon, c'était sympa ce petit clin d'œil à Louis Lumière, ici à La Ciotat, 1895, arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Événement mythique pour le cinéma. Mais aujourd'hui, moi, je vous propose un autre film, c'est plutôt YouTube, c'est plutôt un essai vidéo de la nouvelle FB Mondiale HPS 125 Euro 5 avec sa nouvelle injection Delorto, justement pour qu'elle soit plus sympa avec l'environnement. On a également la nouvelle dalle TFT qu'on va justement essayer, celle qui est apparue sur la Flat Track l'année dernière, et puis plein de petites Evo qui étaient déjà apparues également sur la précédente génération. Bon, on arrête le mode sépia et je vous amène avec moi. C'est parti sur les belles routes du sud de la France. Ça, c'est cool. Euro 4, Euro 5, elle est quand même toujours aussi mimi, la HPS. Fort hipster, hein, il y a marqué sur le côté. Ce nouveau coloris gris, là, avec ses inserts noirs, bah, je la trouve de toute beauté. En toute noire, elle est un petit peu plus commune. Ça, c'est les deux couleurs hein, du catalogue 2021 sur cette version Euro 5. Et moi, je l'apprécie aussi parce qu'elle a un look vraiment singulier. Elle ressemble à aucune autre. On est vraiment dans la définition néo-rétro. Ça correspond parfaitement à l'image de cette marque qu'est FB Mondiale, ancienne marque italienne. Elle a un moteur, un refroidissement liquide, vous le savez, depuis qu'elle est sortie en 2017. C'est le fameux bloc Piaggio de 125 cm3, double arbre à cam, 4 soupapes, refroidissement liquide, qui développe à peu près 13,5 chevaux. C'est un tout petit peu baissé avec Euro 5. L'évolution sur ce moteur, c'est un nouveau système d'injection Delorto avec une nouvelle carto, un remaniement de l'échappement pour qu'elle soit justement Euro 5 approved. Et ces modifications transforment un petit peu son caractère. Moi, je lui trouve un petit peu plus de linéarité. Je la trouve un petit peu plus étouffée dans les hauts régimes. Mais je trouve que le couple a été mieux retravaillé sur les mi-régimes. On a une belle plage entre 5500 tours et 8000 tours où là on va vraiment trouver de l'agrément du coffre version 125 bien évidemment. Bon, en vitesse maximale c'est aussi un petit peu moins bien qu'auparavant, mais on a encore de la marge hein, pour sentir en sécurité au moment de doubler sur les voies rapides et bien évidemment sur autoroute, on est limité, on n'atteint pas les 130 km/h compteur. On reste aux alentours des 120, mais c'est un petit peu lourd hein, de toutes les bécanes 125 Euro 5. Mais ce moteur, il est quand même assez attachant, il a son petit caractère, il a sa petite sonorité. Ce monocylindre, il a à peu près toujours le même appétit. On se situe aux alentours des 4 litres, un petit peu plus si on la ressouille, un petit peu moins. Si on est en mode balade farniente en ville par exemple, d'ailleurs en ville elle s'oublie très très vite, elle est très facile parce qu'elle est légère, elle fait 133 kg à sec, elle doit faire 150 kg avec les pleins parce que je vous rappelle qu'elle a juste un tout petit réservoir de 9 litres donc l'autonomie c'est pas son fort hein. Si vous faites 200 bornes avec une HPS c'est déjà bien. En ville elle chauffe pas trop non plus. Ah, elle est vraiment sans souci et puis elle fait tourner les têtes, c'est incroyable. Moi, je vous ai parlé du look atypique tout à l'heure. Il y a aussi la position de conduite qui est atypique parce qu'on a un petit guidon cintré juste comme il faut. Si je regarde pas, j'ai l'impression d'avoir des demi-bracelets, c'est rigolo. Sur la selle, j'ai pas trop de possibilités de recul. Elle est certes magnifique, mais elle me bloque un petit peu. Hein. Moi qui fais 1m83, je suis peut-être justement aux limites. D'ailleurs, j'ai les genoux qui viennent se caler tout juste hein, dans les flancs creusés du réservoir, avec les jambes bien repliées. Et cette spécificité à droite d'avoir l'échappement qui passe justement à l'intérieur de ma cheville. Mais bon, c'est ça, c'est le look. L'originalité de la ligne, tout en longueur, avec cette grosse roue avant de 18 pouces, cette roue arrière de 17 pouces, mais qui a un pneu quand même assez haut. Ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir des gros pneus. D'autant plus que ces pneus CST, ils sont sculptés, mais ils ont du grip. Moi, je mets pas mal d'angles. Regardez-moi ça. Je sens que ça accroche bien. Bon, c'est sûr, on a hâte d'essayer
la version Ubiali, version anniversaire, qui va bientôt sortir à 78 exemplaires et qui, elle, a justement des pneus plus routiers. À mon avis, ça va la rendre un petit peu plus dynamique. Mais elle n'est pas figée, hein, la HTS comme ça, avec sa roue de 18 pouces. Elle est même très agile parce qu'elle est légère. Elle est très facile à faire évoluer d'un virage à un autre. On se place facilement à l'entrée de virage. J'ai de la rigueur sur l'angle parce que j'ai des suspensions qui n'ont pas un débattement incroyable et elles sont plutôt fermes. Ça frotte, mais la garde-sol, elle est quand même assez bien faite. Hein. Ça frotte parce que je suis en mode wouhouhou, je conduis une HPS. Vous voyez le genre? Elle est très amusante. Hein. C'est vraiment une petite 125 ludique, aussi ludique qu'esthétique. Bon, le freinage, hein, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Je trouve qu'il y a du mordant sans qu'il y ait trop d'agressivité au niveau de l'attaque. C'est vraiment facile à prendre en main comme système de freinage. Avec un ABS qui est pas trop sensible, juste ce qu'il faut. On a un bon feeling au niveau de la pédale à l'arrière. On a un bon maintien sur les phases de freinage d'appuyé. La finition, elle est quand même vachement bien faite. Alors certes, il y a quand même peut-être quelques fils qui sont mal chintés en bout de course au niveau du klaxon. Quand on regarde un petit peu dans la tripaille également. Mais pour le reste, entre la qualité des peintures, la justesse des assemblages, le très bel écran que je découvre devant mes yeux à deux agencements, il n'est pas très ergonomique, hein, au niveau de son petit bouton là qui est planqué là-bas derrière, surtout quand on a des gros gants d'hiver. Mais je le trouve vraiment mimi, quoi. Il est super sympa. C'est bien clair. Le rapport engagé juste en bas, la vitesse là, le contour. Bah, je vous le change pour vous montrer l'autre agencement. Hop, voilà, c'est ça l'autre agencement. Non, moi je préfère quand on a le contour tout rond. Bon, voilà mon Adrien. Pas de révolution. La HPS 125 Euro 5 reste la même qu'avec Euro 4. À peu de choses près au niveau du caractère moteur. S'amuse toujours autant. Hein. Et elle n'a pas beaucoup changé non plus niveau tarif. C'est un peu la 125 des connaisseurs. Pour sortir du lot, je comprends qu'ils en vendent autant. Hein. D'après mes calculs, on sera en effet à plus de 2700 exemplaires depuis sa sortie en 2017, avec notamment 845 immatriculations l'année dernière. Un très bon chiffre. Pourtant, cette belle HPS n'est pas donnée, affichée à 4465 €. Toutefois, face aux japonaises dotées d'un moteur à refroidissement liquide elles aussi, l'italo-chinoise demeure plus avantageuse, plus singulière niveau look, comme une Riero Century certes, mais la mondiale est bien mieux équipée. Alain Campbell France. Alain Campbell France. Voilà. Et tu connais la blague du commissaire?